Bonjour, très chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour partager un message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Mais avant de livrer le message, on va confier le moment à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel des armées, toi le Dieu Tout-Puissant, viens prendre le contrôle de ma bouche, je vais partager le message que tu m'as donné. Permets que ce soit seulement ce que tu m'as dit que je diffuse. Et touche le cœur de toute personne qui va entendre ce message afin que cette personne se convertisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen. Mon message de ce matin, c'est que c'était dans un songe, il y a de cela un an, où le Seigneur Jésus-Christ me dit, tenez-vous bien, il dit, Israël, va dire à mon peuple de faire mon œuvre au lieu de se moquer de moi. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Israël, va dire à mon peuple de faire mon œuvre au lieu de se moquer de moi. Quand je me suis réveillée, j'étais vraiment troublée par ce message parce que moi avant, je me suis dit que c'était seulement au pasteur que le Seigneur parlait. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ça à moi il a dit cela. Donc, j'ai commencé à me poser plein de questions. Je dis, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse, rien de tout ça. Pourquoi? C'est à moi que le Seigneur Jésus-Christ envoie pour livrer ce message. Donc, je me suis dit, non, ça, c'est le travail des pasteurs. Donc, franchement, j'ai pas livré le message jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que je décide aujourd'hui. Bon. De partager le message. Sinon, ça fait de cela un an qu'il m'a dit cela. Je vous partage cela aujourd'hui pour qu'on puisse se réveiller spirituellement. Parce que quand il dit « va dire à mon peuple de faire mon œuvre au lieu de se moquer de moi », bon, c'est pour nous dire que il faudrait qu'on change de vie. Il faudrait qu'on se repente. Parce que l'enlèvement n'est plus très loin. Donc toi, mon frère et toi, ma soeur qui écoute ce message, le message concerne tout le monde, y compris moi-même. Donc, qu'on corrige nos comportements, qu'ils ne confessent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on lave nos robes, qu'on se prépare, qu'on change nos mauvaises habitudes parce que le Seigneur nous interpelle à cela. Quand il dit qu'on se moque de lui, c'est parce qu'on vit dans le péché qu'il dit qu'on se moque de lui. Donc, essayons de nous éloigner du péché et nous tend la main. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Profitons de ce temps de grâce pour ne pas qu'il soit trop tard. Donc, vraiment, je ne vais pas être vraiment longue. Je voulais juste partager ce message-là parce que, bon, si je ne partageais pas, ce n'était pas bien parce que ça fait quand même un an qu'il m'a dit cela, mais j'ai gardé ça pour mon seul. Parce que je n'avais pas trop considéré en ce moment-là. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ te donne un message, c'est bien de le partager parce que le message peut aider quelqu'un à se convertir. Le message peut sauver une âme. Voilà, donc mon frère, ma soeur, on n'est pas obligé d'être pasteur pour que le Seigneur nous parle. On n'est pas obligé d'être prophétesse pour que le Seigneur nous parle. On n'est pas obligé aussi d'être un grand homme de Dieu. Le Seigneur Jésus qui choisit souvent même les petites personnes pour livrer des messages. Souvent, il choisit même de petites personnes avec qui il veut travailler. Donc, toi, souvent, tu peux recevoir un message et puis banaliser ou bien tu peux recevoir un message. Tu peux dire non que c'est pour toi seul. Partageons les messages quand notre Seigneur Jésus-Christ nous livre des messages. Ne gardons pas ça pour nous. Partageons les messages et puis chacun à son humble niveau peut témoigner. Témoigner, c'est une manière d'évangéliser pour Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ agit dans nos vies, essayons de témoigner à côté de nous, essayons de témoigner comme témoigner souvent sur les chaînes chrétiennes, comme cette chaîne Jésus-Christ sauve, par exemple.
Chacun peut témoigner à son niveau, peut partager son expérience qu'il a vécue avec le Christ, quelle que soit ta personne, même si tu te dis, ah, mais bon, est-ce que je suis obligée de partager? Est-ce que, mais si tu partages, tu peux sauver une âme. Si tu partages ton témoignage, si tu partages ton expérience, tu peux aider quelqu'un, peut-être qui a déjà traversé la même situation. Donc, chacun à son même niveau peut témoigner, chacun à son même niveau peut livrer les messages que le Seigneur lui donne. Ne gardons pas les messages pour nous, partageons les messages pour édifier le peuple de Dieu aussi, pour aider le peuple de Dieu, pour aider aussi, même ceux-mêmes qui ne connaissent pas Jésus, à pouvoir connaître Jésus, parce qu'il y a des gens même qui ne connaissent pas du tout Jésus. Donc, quand tu donnes ton témoignage peut aider quelqu'un à pouvoir devenir chrétien. Donc, c'est pas seulement le travail des pasteurs. Et puis, ne gardons pas les messages pour nous seuls. Partageons les messages. Quand on reçoit les messages, partageons, partageons, partageons. Donc, je vous dis au revoir et restons en union de prière. Amen.